Alors, d'une manière générale, la libération émotionnelle, ce qui est intéressant, c'est que si on laisse faire, quand je dis laisser faire, ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer dans l'émotion, dans le sens, quand il y a une colère, je dis pas forcément qu'il faut il faut la verbaliser, puis qu'il faut aller taper sur les gens et tout, je dis pas ça. C'est simplement que on peut laisser faire dans le corps et voir ce qui se passe. Et toutes les émotions, en fait, c'est il y a l'intelligence de la vie derrière qui harmonise le système. Et les émotions, en général, derrière, il y a une croyance, en général, très souvent, il y a une croyance. Et puis, il y a une mémoire de quelque chose de limitant, de enfermant, pourrait dire. Ça peut être de cette vie ou d'une vie même d'avant aussi, ou même plusieurs vies avant. Et en fait, l'émotion est plutôt... Ça pourrait même être un accélérateur sur le chemin si on laissait complètement les émotions s'exprimer. Quand je dis exprimer, encore une fois, ça veut dire ressentir. On ressent pleinement l'émotion et on laisse le corps agir comme il veut agir. Donc c'est l'intelligence de la vie qui va faire... par exemple, trembler le corps ou qui va faire pleurer le corps, ou même il va y avoir des mouvements énergétiques qu'on va sentir passer à différents endroits du corps. En général, plus une émotion est profonde, plus ça va être bas dans le corps. Enfin, très souvent, j'ai remarqué ça, les traumatismes, par exemple, c'est plutôt en bas. Et fondamentalement, on revient toujours à la même chose, mais les émotions... qu'on rencontre le plus souvent, c'est lié au sentiment de manquer d'amour, soit d'avoir été rejeté, soit d'avoir été abandonné, etc. Et par-dessus ça va se greffer soit la peur, soit la tristesse, soit la colère. Et il y a un centre dans le corps qui correspond à comment dire, le droit naturel d'exister, qui est au niveau du plexus. Et c'est vraiment le point que je vois le plus souvent en entretien, qui est le plus on va dire serré, contracté, etc. Et c'est de là que viennent la plupart des émotions. En tout cas, chez les gens que je vois, c'est surtout ici que ça se passe. Mais il peut y avoir des émotions aussi liées à des traumas et des choses plus profondes. Souvent, c'est dans le bassin. Ou sinon, il peut y avoir des émotions, il y a des non-dits, et là, le corps, il va parler, ça va être ici que ça va se jouer, donc la sensation que c'est serré ici. Ce qui est intéressant dans l'émotion, lorsqu'on la laisse s'exprimer dans le corps, c'est qu'en général, elle vient aussi avec... si on écoute le corps, il y a un message précis qui vient avec. Par exemple, une émotion qui va venir avec douleur au cervical, ça veut dire... je suis dans le doute, genre une peur qui vient avec des douleurs dans le cervical. Je ne sais pas quelle direction prendre, donc la tête, elle ne sait pas dans quel sens aller, symboliquement, donc on aura mal au cervical. Il y a aussi les bras très lourds et quand on ne peut pas bouger les bras avec une émotion, ça, c'est le sentiment d'impuissance. Ça, je l'ai retrouvé très, très souvent. Les enfants qui ont été très brimés, qu'on a beaucoup, on leur a dit fais ci, fais ça, et puis pas de possibilité de s'exprimer. Il y a le sentiment d'impuissance et ça. Quand ça se libère, ça se sent dans les bras. Et ce qui est intéressant, c'est que quand une émotion se libère, donc il y a plusieurs sensations qui viennent. Il y a souvent la sensation de légèreté. Il y a le goût du calme qui devient beaucoup plus intense. Après la libération, les gens, ils sentent très très fort le calme, enfin beaucoup plus fort. Et puis assez souvent, il y a la sensation de circulation énergétique. Comme si le corps il se remettait à, comme si tout circulait bien. Donc, ça, il y a des picotements, des fourmillements dans les mains et les pieds, et puis on sent que le corps ça circule bien, quoi. Donc, l'émotionnel, c'est vraiment un outil très très précieux. Et il faut pas réprimer l'émotion. Enfin, D'ailleurs, faut rien réprimer du tout, c'est ça, il faut rien réprimer du tout. Essayer de ressentir, C'est de hyper laisser important. s'accueillir, Ouais. ouais, de laisser s'accueillir à tout ça. Que ça soit de la colère, de la peur ou de la tristesse. Exactement. En fait, tous les états tous les états, ils passent forcément par le support du corps. Et c'est important d'arriver à trouver la posture la plus adéquate
pour les accepter. En tout cas, les accepter pourquoi? Parce que quand on ne les accepte pas, de toute façon, automatiquement, on entre en dualité. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose à un moment donné qui fait que ça fait comme une espèce de guerre intérieure. Ça peut aller loin, hein, ça peut mener très très loin. Donc, c'est vraiment la meilleure posture qui soit. D'ailleurs, tous les sages le disent. Alors, ils vont dire accueillir, mais c'est une... De fait, on est la conscience, sauf qu'on a l'impression qu'on ne l'est pas. Donc, on ne sait pas comment il faut faire pour accueillir. Mais par contre, ce qui est important, c'est vraiment de l'accepter. Accepter que la colère est là, ne pas la nier, ne pas être dans le déni. Accepter qu'il y ait telle émotion, et bien vraiment quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que on n'est pas là pour, à un moment donné, étiqueter des émotions, des impressions, des colères, des stress, des machins. Tout est accepté de la même façon. Il y a peut-être des choses qui vont nous paraître plus compliquées, plus difficiles, par rapport, des fois, à une histoire de vie, le samskara ou autre, d'enfance, d'adolescence, les parents, les trucs et machin. Mais sur le fond, tout doit être accueilli, tout doit être accepté. Et à partir de là, ça, c'est la première étape. À partir de là, on peut, et d'ailleurs, dès le début, surtout pas de rejet, surtout pas se dire, ah ouais, et puis se dire dès le début, j'ai une colère, je sais qu'elle est là, mais je vais m'en débarrasser. Ça, c'est pas bon. Vraiment, la première étape, c'est qu'on l'accepte déjà. On accepte, elle est là. Je le sais, j'en suis conscient, maintenant je vais aller jusqu'au bout de ça. Faut vraiment aller jusqu'au bout. Émotion, colère, tout ce que l'on veut. Mais surtout pas, c'est pas la première étape de se dire, je vais m'en débarrasser ou j'en veux plus. Non, la première, c'est d'accepter que c'est là. C'est la conscience qui fait ça, hein. Elle sait ce qu'elle a à faire. Hein. Elle nous fait passer par tout un tas de d'épreuves. Voilà. Mais tout doit être accueilli. Tout. C'est hyper important. Et donc, le chemin, en fait, comme c'est un chemin plutôt introspectif, quand je dis introspection, je veux dire qu'on ne s'arrête pas aux objets, par exemple, on ne s'arrête pas aux formes pensées, on ne s'arrête pas aux états énergétiques, on va plonger, on va dire, de plus en plus dans Exactement. le calme, le goût du calme. C'est ce qui est proposé par quasiment toutes les voies, bah, toutes les voies, en Toutes fait. les voies le proposent. Toutes les voies, ça passe par la quiétude, on pourrait dire, la quiétude intérieure. Et. Métaphoriquement, on va dire que ce calme, c'est comme une lumière. Et lorsqu'on pose la lumière dans une pièce noire, cette lumière, graduellement, plus on va aller dans le calme, plus cette lumière, on va imaginer qu'elle se grandit. Donc, j'utilise cette métaphore pour qu'on comprenne bien. Et c'est une pièce noire qu'on ne connaît pas. On ne se connaît pas au début, on ne se connaît pas. Donc, on va aller de plus en plus en profondeur. Et plus on va en profondeur, plus la lumière grandit. Plus le goût du calme grandit et plus on découvre la pièce. C'est-à-dire qu'on va aller dans le subconscient et là, il va y avoir des émotions qui vont ressortir au fur et à mesure. Plus on creuse, plus il y a des émotions qui ressortent. Après, on va dans l'inconscient, il y a encore d'autres choses qui vont ressortir, etc. Mais c'est pas parce qu'il y a des émotions qui arrivent après 10 ans de méditation, par exemple, qu'on a fait marche arrière ou qu'on Bien a. sûr. J'ai souvent ça, on me dit souvent, Ouais, moi pareil. J'ai tout perdu, mes pratiques, C'est parce que faux. j'ai des émotions qui ont remonté, C'est je sais pas faux. ce qui se passe. En fait, ces trucs-là, ils étaient déjà là, sauf Bah, qu'on n'en bien avait pas sûr. conscience. Bah. Et donc, c'est normal que graduellement, en fait, plus le calme s'approfondit, plus ce que j'appelle les dossiers, des fois, les choses qu'il y a à régler, en fait, vont remonter aussi avec intensité. Les choses profondes, même des fois en méditation, il y a des émotions qui nous traversent, on ne comprend même pas pourquoi. Ça se transcende automatiquement. Exactement. Donc, il faut complètement laisser faire, en fait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y ait plus tout ça. Ça ne se présente plus. Et puis, de toute façon, à un moment donné, on se rend compte qu'il n'y a personne. Il n'y a personne aux Exact. commandes. Exactement. Et donc, qu'il y ait émotion ou pas, en fait, quelque part, c'est comme si ça ne nous concernait pas vraiment, quoi. C'est. Tout à fait. Et même si on était dans une posture de résistance à tout ce processus, on va très vite s'apercevoir que la conscience, elle va, je vais mettre des mots, elle va augmenter, j'allais dire, l'intensité de ce dont par où on doit passer pour pouvoir conscientiser les choses. Et le personnage ne peut pas être gagnant. Le personnage, c'est une simple projection, c'est un simple objet. À un moment donné, tôt ou tard, le chercheur, ça lâche. Ça lâche, il est obligé de se laisser guider par la vie. Il ne peut pas faire autrement. Et du coup, la compréhension intérieure, elle se fait. Immanquablement, elle se fait. Elle prendra une, 10, 100 000 vies, on s'en fout parce qu'il n'y a pas de temps, mais elle se fait. Et du coup, souvent, ce qu'on a tendance à faire, on ne s'en rend pas compte, c'est lié à j'allais dire, à des réactions. C'est les objets qui veulent pas disparaître ou mourir qui résistent en fait. Et en général, ils veulent pas disparaître.
Et donc souvent, on a une espèce de forme de résistance, mais sauf qu'elle a des limites, cette résistance, parce que face à la conscience, rien ne peut résister. Donc tôt ou tard, à un moment donné, tout s'écroule et les choses doivent se faire et elles se feront de toute manière. Donc on lâche, on finit par lâcher. Et ça se fait. Et là, évidemment, on prend conscience qu'il n'y a jamais eu personne pour tenir les rênes, quoi. Il n'y a personne. Ça a toujours été comme ça. Et puis si c'est des émotions récurrentes qui reviennent régulièrement et qu'on se sent démuni, ça sert à rien de lutter. On attend que ça passe. De toute façon, ça va Exactement. passer. C'est comme la météo, les émotions, ça passe. Et on approfondit le calme dans les moments d'accalmie. Et puis une fois que le calme sera bien solide, bien stable, dans les moments de tempête émotionnelle, après, ce sera beaucoup plus facile de laisser s'accueillir l'émotion, de se laisser traverser. Après, tout est en place. Je veux dire, les choses, elles se mettent en place justement. Ça se configure en fait pour que tout puisse se faire en toute simplicité. Ça paraîtra pour le chercheur beaucoup plus fluide, simple, évident.